Salut les amis, ici William JSM Official. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne manquer des prochaines vidéos. Alors les amis, aujourd'hui pour le déblocage d'un LG Q7 de modèle Q610EMW, nous allons effectuer le déblocage réseau de ce dernier ayant pour version Android version 9. Oui, et comme je disais tantôt, le modèle c'est Q610EMW. Nous allons donc effectuer le déblocage réseau de ce téléphone. Bien évidemment, on va devoir insérer une carte SIM à l'intérieur pour une petite vérification pour se rassurer que le réseau de notre téléphone est bel et bien verrouillé sur son opérateur d'origine. J'insère une SIM locale, une SIM de mon pays, oui, pour être sûr que le réseau est bel et bien verrouillé sur l'opérateur. On patiente. Oui, les amis, comme vous pouvez le remarquer, c'est un fichier réseau verrouillé. Donc, c'est confirmé. Ce téléphone ne peut pas lire les cartes SIM de mon pays. Alors, pour pallier à ce problème, je vais devoir effectuer un déblocage réseau. Premièrement, on va aller dans paramètres. À propos, informations de logiciel, on clique numéro du bulle ou bulle nom bas pour activer l'option développeur. On clique 6 à 7 fois, on vient dans l'option développeur. On active le M et le USB débloquage ou USB débloquage. Oui les amis, comme je disais, on va maintenant revenir sur Octopus LG. On tape le modèle exact de notre téléphone pour procéder au déblocage de ce dernier. Le modèle étant le suivant, le Q610EMW. On tape le modèle exact, puis on valide, on clique sur Select ou on clique sur Entrée. Oui, vous remarquez, on a déjà le bouton Unlock. On clique ce bouton ou alors on laisse nous donner les instructions à suivre ou encore la démarche à suivre pour le déblocage. Ici, il demande de mettre le téléphone en emergency mode, c'est-à-dire en download mode ou en recovery mode du LG. Le LG c'est en emergency mode. Pour entrer en emergency mode du LG, on presse le volume haut et on connecte le câble. Premièrement, on va devoir éteindre notre téléphone, bien évidemment, puisque le téléphone est allumé. Alors, on procède à l'extinction du téléphone. Une fois le téléphone complètement éteint, les amis, on va devoir maintenir le bouton volume haut et connecter notre câble jusqu'à ce que ce dernier soit en emergency mode. Mais pour l'instant, le téléphone n'est pas encore éteint parce qu'il a le voyant plus haut qui signale encore. On va devoir être patient. Oui les amis, une fois le téléphone est complètement éteint, on maintient le volume haut, puis on connecte le câble et en passant que ce dernier entre en emergency mode ou encore en download mode du LG. Oui, ne vous inquiétez pas, maintenez juste, enfoncez votre bouton volume haut jusqu'à ce que cette interface puisse changer. Voilà, super. Actuellement, nous sommes en emergency mode du LG, encore appelé download mode. On peut donc à présent procéder au déblocage. Comme vous pouvez le remarquer, c'est de façon automatique. Le téléphone a détecté le emergency mode de façon automatique et continue le processus. Du coup, nous sommes en mode déblocage, comme vous pouvez le remarquer. Oui les amis, le déblocage réseau c'est un processus qui prend aussi un peu de temps. Alors, je vous prie d'être patient et de suivre toujours les instructions. Toujours bien lire, comprendre et ne pas rater le modèle en termes de LG. Parce que si vous erronez le modèle, vous endommagez le système. Actuellement, on propose pour ce déblocage, nous avons besoin de 100 crédits. Et dans mon compte, j'ai 110 crédits. Alors oui, je valide le déblocage réseau. Quand j'ai assez de crédit pour effectuer mon déblocage. Comme je disais tantôt, pour ceux qui en auront besoin de ce programme, Octopus LG, il y en a en version digitale et en version box. Donc, pour ceux qui ne peuvent pas
avoir le boss, vous pouvez tout simplement passer par moi, avoir la version digitale du logiciel de la box. C'est quoi la version digitale? C'est avoir la box en utilisant juste le login, une licence en fonction de votre période dont vous avez acheté. Oui les amis, et pour approvisionner en crédit, n'hésitez pas à me contacter également pour toutes vos recharges. Actuellement, comme vous pouvez le remarquer, le téléphone est en train d'essayer de lire les informations de sécurité et procéder au déblocage. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui se passe sur le téléphone est en collaboration étroite avec le logiciel. Oui, c'est le logiciel qui travaille sur le téléphone. Ils sont en synchronisation, autant pour moi. Alors les amis, je tenais également à préciser à ce niveau, tant que le déblocage n'est pas effectué, votre crédit ne sera pas débité. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a une erreur, votre crédit ne sera débité que lorsque le téléphone sera réellement débloqué. Donc aucun souci, pas d'inquiétude à faire. Si le déblocage n'est pas effectué avec succès, votre compte n'est pas débité. Et je disais tantôt, pour vous recharger le crédit, vous n'avez qu'à me contacter, mon numéro est en description, en bas de la vidéo, mon contact WhatsApp, également via Telegram. Oui, les amis, comme vous pouvez le remarquer, fun successful ou local. Le déblocage a été effectué avec succès. On va donc devoir patienter que le téléphone redémarre complètement pour une petite vérification. Alors les amis, comme vous pouvez le constater, oui, cette opération m'a bel et bien coupé sans crédit. Or, mon compte était approvisionné dès le départ de 110 crédits, ce qui me reste juste 10 crédits dans mon compte et le déblocage a été effectué avec succès. Alors, l'opération s'est bien déroulée et le déblocage a été effectué avec succès également. Si vous avez aimé la vidéo les amis, n'hésitez pas à de liker, de laisser un pouce bleu et de laisser des commentaires en description. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Oui, actuellement on va donc procéder à la vérification pour être sûr que le déblocage a bel et bien été effectué avec succès. Nous allons donc patienter que le signal réseau prenne. Oh là là. Bon, super. Aucun service, déjà ce n'est plus réseau verrouillé. Vous remarquez qu'on n'affiche plus réseau verrouillé, c'est aucun service. Vous laissez un peu de temps. Bon, super, déjà opérationnel. Vous remarquez, c'est MTM Cameroun. Contrairement à tout à l'heure qui était réseau verrouillé, nous avons donc le téléphone débloqué avec succès. Vous remarquez, réseau verrouillé et MTM. Donc, le déblocage est effectué avec succès. Nous ne sommes plus à réseau verrouillé. Pour plus d'assurance, nous allons donc effectuer plus de vérifications. En exécutant des codes USSD ou encore en effectuant des appels.
Alors les amis, comme vous constatez, vous remarquez que les codes USSD passent à la perfection, donc tout est OK. N'hésitez pas de me contacter en cas de soucis. Oui, c'est bel et bien mon contact qui s'affiche. Hein. N'hésitez pas de me contacter en cas de besoin, que ce soit pour activation box, donc version digitale également, que ce soit pour achat de crédits, conseils et fichiers adaptés également. Je suis là pour ceux qui n'ont pas de compte. Oui, les amis, tout est OK. Alors, n'hésitez pas de vous abonner si vous êtes nouveau à ma chaîne, de laisser un pouce bleu pour m'encourager et de partager la vidéo.